sommes à Las Palmas de Gran Canaria et nous visitons un peu la ville en allant louer une voiture. Ici, il y a de grandes allées avec des palmiers, des arbres. Et aussi des rues piétonnes le long de la plage. Nous arrivons à Las Cruzitas qui se situe à peu près au milieu de l'île. Nous sommes plus exactement dans le village d'Aguimes, sur le bord de la route. Ils ont construit une crèche. À côté de la crèche, les troglodytes. Ce sont des trous formés par la lave au moment de l'éruption. Dans des temps plus anciens, certains trous servaient d'habitation. On peut voir ici un champ d'éoliennes. Ici, de grandes prairies avec des cultures diverses et variées. Voici arrivé au Crocodilo Park. Ici un pogona, petit lézard. Voici un iguane.
Il y en a qui n'ont pas peur de se faire bouffer, hein. Et voilà mon préféré, un petit chaton tigré blanc. Voici la mare aux tortues. Et quand j'ai bu, j'ai plus soif. Serge, enlève ton déguisement. Méfiance, les lamas s'accrachent. Belle montagne en vue. Là, on attaque les routes sinueuses. Bizarrement, Gérard n'est pas malade. Les forêts de pins ici sont à couper le souffle. En dessous de la couche de nuages. Prenons la direction de Pico de Las Navies.
1949 mètres d'altitude. Dehors il pleut, il fait 9 degrés. Eh ben on voit rien, mais par contre c'est haut. Nous sommes au mirador de la Goleta. Là, il fait 7 degrés, 1700 mètres. Bon, ça caille un peu, il pleut. C'est presque du grésil. Et là, c'est le rocher de Noblo. Apparemment réputé. Oh la vache! Est-ce que c'est beau? C'est impressionnant! Nous sommes devant le rocher El Roc. Bon alors, quelle impression? Ça gâche! Oh, il y en a plein là. Nous avons trouvé une place dans le petit port de l'école de voile à côté du grand port de Plaisance. Nous sommes le long d'un quai en béton et nous devons gérer les amarres pour les marées.
Adieu Las Palmas. Nous quittons Las Palmas pour d'autres destinations. Levée de lune sur l'océan et dernière lumière de Gran Canaria.